bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire le goûter des enfants et même des grands-enfants. Donc, je parle bien sûr de la madeleine moelleuse avec en dessous une fine couche croquante de chocolat. Ça va régaler toute la famille, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour la recette. Ajoutez le miel au beurre. Faites fondre votre beurre et votre miel au micro-ondes. Attention à ce qu'il ne soit pas trop chaud et surtout, avant incorporation dans les œufs, le laissez bien refroidir. Blanchissez légèrement les œufs. Ajoutez le miel et le beurre refroidi, mélangez. Mélangez la levure chimique à la farine. Ajoutez la farine et mélangez bien jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Mettez du beurre sur les empreintes de votre moule à madeleine. Remplissez vos moules avec l'appareil à madeleine à l'aide d'une cuillère. Enfournez les madeleines pendant environ 4 à 5 minutes à 220 degrés, le temps que la bosse de la madeleine se forme. Ensuite, il faut baisser votre four à 180 degrés et poursuivre la cuisson pendant environ 5 minutes. Et voilà les madeleines après la cuisson. Donc on va faire la fine couche de chocolat. Soit vous faites fondre votre chocolat au bain-marie, donc vous mettez une casserole d'eau chaude et lorsque l'eau est assez bouillante, vous retirez la casserole du feu et vous laissez votre chocolat dans votre récipient fondre tout seul doucement. Soit vous le faites au micro-ondes toutes les 20 secondes à 800 watts, donc pas plus d'une minute parce que sinon il va cramer. Et ensuite, vous allez prendre un pinceau et vous allez appliquer une couche assez généreuse de chocolat dans les empreintes de la madeleine. Alors, mettez la madeleine par-dessus en appuyant légèrement pour que le chocolat adhère bien à la madeleine.
démoulez les madeleines délicatement. Regardez la brillance de ce chocolat. Les madeleines sont prêtes à être dégustées. Elles sont moelleuses à souhait et craquantes grâce au chocolat. Allez, très bon appétit! J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous allez même vous régaler. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, aimer, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. En barre de description, vous allez trouver mon compte Facebook et mon compte Instagram. À bientôt! Ciao!